Salut YouTube, comment tu vas? Bon, on va voir si cette game-ci on peut la gagner, faire un petit peu mieux que la précédente. C'était pas... Elle était ok la précédente, c'est bien adapté, mais ça n'a pas été non plus ouf. Meilleure équipe sur moi, si je constitue juste avec les joueurs d'Europe, bah enfin G2, genre vraiment, je vois pas de meilleur truc que G2. Ils sont juste incroyables les G2. Y a pas de... Je vois pas de meilleur joueur à son poste que Wunder. Meilleur dans la jungle que Jankos. Je suis pas convaincu qu'il y ait vraiment. Il fait un taf incroyable. Mid lane, Caps, tu le déloges pas. Bot lane, Perks et Mikix, bah ouais. Parce qu'en fait, Perks, bon, il est pas mauvais sur les AD, il est moins bon que les meilleurs carrières au monde. Mais en fait, il permet d'avoir des possibilités de draft qui sont incroyables. Qui sont vraiment exceptionnelles. Et je pense que tu peux pas négliger ça quand tu fais une team. Du coup, il faut faire avec. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ici? Il y a un arc courbe là-bas. Très bien. Pas avec BF. Hop, on rebondit là-dessus, on adapte, on adapte, on adapte. Là où du côté NA, par exemple, si je devais faire une team, il y aurait un mix. Il y aurait clairement un mix du côté NA. Ça ferait genre du Lycoris dans la jungle X-Missy, parce que je vois pas de meilleur jungler que lui. Stable en tout cas, mid lane Birxen, duo lane double lift core GG. Une pièce, ouais. Bonne réponse, je te félicite, tu gagnes le droit d'être appelé vrai mal. Qu'est-ce que quoi? Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens, mon capitaine. Vraiment, c'est histoire de dire je prends des trucs. Quoi que ça signifie. Parce qu'il y a plus de Gunslinger pirate. Si je veux faire un truc pirate, si à toi ça je tombe sur Graves ETF qu'autre chose. Aucun sens, j'aime seulement cette expression. D'accord. Je ne chercherai pas d'explication à ça. Les gens ont le droit d'être bizarres dans la vie. Oh, il a mis un crit de Garen juste avant. Oh là là, il est incroyable. Deux pièces, ouais. Mais je veux bien des items, hein, moi, parfois, sinon. Genre, je vous promets que des items, c'est pas quelque chose qui m'embêterait. Hop, salut. J'aurais deux pirates, là. Il me faudrait un TF. Un TF, ce serait bien pour avoir les trois pirates. Imaginons qu'on fait une équipe de France pour les championnats d'Europe. Il faut être une équipe avec quel Français? Je pense que top lane, c'est dur de se passer de Soaz en français quand même. Il a une telle expérience que tu peux pas vraiment l'enlever. Jungle français? Peut-être Skins? Joko pour l'XP, ouais, Joko. Mid lane, AK. Bot lane français. Ça tombe bien, tu vas être très fort avec l'item, toi. Français. Y a rien qui m'intéresse. Hop, on va placer un perso en plus. Qu'est-ce que je mettrais en français? En Karriadé, Hans. Ouais, Hans, ma foi. Hans en Karriadé. Tiger, hein, je pense, peut être un bon choix aussi. Mais Hans, effectivement, actuellement, par là-dessus. Et support, Steelback. Je pense Steelback en support. Ouais. Après, est-ce que Hans et Steelback, c'est un duo qui marcherait? On sait pas, tu vois. T'as toujours ce petit problème où y a aussi le côté un peu synergie des joueurs et autres. Mais bon. Allez, vas-y, stun-les. Stun-les. Stun-les plus vite. Oh oui. On va se faire éclater. On se fait éclater. Ah, la Elise, elle a pu morph. Lui, il pourra pas restun. Oh, si. Juste une dernière fois. Mais il va pas tuer le Kassa. C'est un Kassa qui a deux étoiles. Dommage. Ygris, Iron ou Tank? Ygris. Ygris. Il me rappelle Artorias un peu. Donc, clairement, Ygris. Pirate Gunslinger. Ouais. Et pour l'instant, j'en ferai rien. Wild Shapeshifter, le bonus Wild est bien au début. Peut-être mieux que le bonus Knight.
Je pense qu'il est plus intéressant. Ouais non, Igris, c'est incroyable. Mais n'empêche ça, enfin que j'ai solo leveling, j'ai découvert, j'ai lu tout dans la journée hier. Mais c'est tellement beau. Genre ce truc est beau, mais d'une beauté à couper le souffle. C'est incroyable. Je m'attendais vraiment pas à avoir un truc aussi beau. Et genre il y a l'ultimate waifu. Sha-in. Attends, comment elle s'appelle? Sha-in, c'est ça. J'ai vu le dessin, j'ai fait genre mais elle est beaucoup trop classe. Genre vraiment beaucoup trop classe. Ah bah voilà. Filez-moi des thunes. Warwick dégage. It's all in the card. Chapitre dans la soirée du mercredi jeudi. Chaque semaine? Genre chaque semaine? Ah oh, trop bien. Parce que vu la qualité de dessin, je me dis qu'il y en aurait peut-être moins souvent, mais... C'est pas un mec tout seul qui fait ça, genre ils sont pleins, enfin... Je me demande si Fiora faut pas la jouer crit, parce que c'est la seule qui a autant de vitesse d'attaque. Donc dans l'idée, attaque une fois par seconde, toutes les 4 secondes elle va faire un crit, là où d'autres persos... Oh mais genre... Oh, je joue des pirates, filez-moi des thunes. Quelle tristesse. Quelle tristesse. Ah, il prend l'arc courbe. Je pique beaucoup trop tard. L'alarme de la déesse. L'alarme de la déesse. Ouais. Ok. Ouais, c'est ça avec ça. Partons là-dessus. Je peux pas faire autre chose. Après, je pourrais avoir le buff Gunslinger qui va arriver assez rapidement. Si j'ai un GP d'ailleurs, à monstre le feu, hein, parce que GP en soi beaucoup mieux que TF. J'ai Afura pour un futur Bloodmaster si j'ai un Trox après. Oh! Non mais... Toi, si tu voulais éviter de mettre 4 ans à piocher une carte quand même... Ah bah non, c'est la fin. C'est la fin, voilà, la joie d'être face à un Kassa. Vous imaginez si TF à un moment il prend des cartes plus vite? Ah, va ouvrir ton coffre, petit pigeon. Ouf. C'est la première fois que j'ai les pirates, je crois. Une des premières fois en tout cas. Bon, bah on va l'avoir tier 2, prenons le tier 2. Hein. J'aime pas laisser passer des volibères, mais il me servira à rien là. Toi et toi, tu me serviras à rien non plus. Toi non plus. Ah là là, c'est un peu embêtant. Hein. C'est que le voli, vraiment, j'en ferai rien. À moins que je fasse une rotation glaciale après, mais. Ah, selon ce qu'on drop, on sait jamais. Non! Pike! Oh, t'aurais genre vraiment pu attendre qu'il ait fait son ult, quoi. Quelle tristesse. Quelle tristesse. Pourquoi j'ai pas mon coffre?
Ah, il est là. Waouh. Ah. Bah tant pis, hein. Je vais pas vendre les persos pour ça. Hop. Hop. Taran, 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 taran. Place un autre perso. Non. Si, j'y pensais tellement pas, c'est pas très grave. Regardez, sa Blue Card, elle a même pas servi à la Fiora. C'est d'une tristesse sans nom ce truc. Hein. J'ai un seul item. Ah là là. Je suis pas vernis. Hein. Est-ce que ça c'est pas intéressant sur lui? Je me pose vraiment la question. Non mais je vais finir par avoir un TF tier 3 quoi. C'est pas vraiment prévu ça. Noble Gunslinger. Oui, Lucien serait mieux en Gunslinger évidemment. Est-ce qu'on gagne? Ah oui non. Ah quoique, quoique. Ça gagne, c'est bien, j'ai pas besoin d'une Tristana. C'est bien, c'est bien. Non mais... Oh! Je veux des PO moi, filez-moi des thunes. Filez-moi plein de thunes. Damage generation mana restore. Ouais. S'il piochait les cartes plus vite, en vrai ça pourrait être bien, genre si instantanément il sortait une des trois cartes. Là en attendant le perso est complètement naze. Mais il sert à avoir le buff pirate. Si on m'avait dit que ma Fiora se ferait éclater par un Blitzcrank, ah j'aurais pas cru. Ah oui non, j'aurais pas vraiment cru à ça, tiens. Aïe aïe aïe. Ah, je serais trop long quand tu peux pas. Trois pièces, ok. On va pas se passer de lui, hein, mais j'ai pas trop envie de revenir une Tristana. Je vais peut-être devoir le faire, mais j'en ai pas envie. Donc faut que je gagne ce tour. Il faut que je gagne ce tour. Oh, oh, oh. Je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup, en fait, d'avoir double Shojin. Ah, quand même. Quand même. Il a une grande quantité de mana, du coup. Ah. Ça gagne, j'ai pas besoin de revendre Tristana. Très bien. Chiante la Lulu, hein. Mais ça va. We're fine. Beveglave? Beveglave, est-ce qu'il y a un Beveglave? Is there a Beveglave here? Oui, elle. Give me the BF glaive, please. Gimme, 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 BF after midnight. Yorkus! J'aurais pas le BF glaive. Est-ce que je pars sur la lame de la DS pour mon futur GP?
Wow, genre je vais tenter un GP athlée si j'ai le stuff. Allez, on verra, on verra. On verra. Ah, after spell cast court, donc n'importe qui cast. Ah, je sais pas trop comment ça marche, ça, tiens. I don't know. Je vais roll soon. Hop, parfait. Un gold de plus. Mais ouais, je vais roll pour avoir mettre une Tristana et avoir le buff Gunslinger. Bam. Ok. Oui, c'est pas exactement ce dont je rêvais, mais on fera avec. Est-ce que je veux faire un cœur gelé? Non. Est-ce que je veux faire un archangel? Non. C'est chiant trop ça. Là, mon prochain ajout, ça peut être un Blade Master avec Aatrox. Draven en Blade Master, sinon oui. Draven en Blade Master, ça peut être quelque chose de sympa. Il va être relou. On perd celui-ci, mais on prend pas trop de dégâts. Ah, quoique si. Ah, Tristana, fallait attaquer l'autre. Quel dommage. Quel dommage. Alors. Ah. Toi, tu me plais beaucoup. Toi, tu me plais beaucoup. Les TF, je peux les virer, hein. Je vais pouvoir virer les TF. Ça m'évitera de lock. Démon Blade Master. Oh. Y a pas une pièce, non. Pas un lock. Bon. Bon. Il va falloir qu'on s'adapte avec ça quand même. On va s'adapter. J'ai un désarme potentiel. J'ai un désarme potentiel. La question est sur qui je le mets. Sur Lucien, c'est pas mal. C'est pas mal sur Lucien, c'est pas mal. Certainement pas. Oh, what the fuck? Le désarmeur désarmé. Et eux ils tapent chaîne. Oh là 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 là, c'est la cata. C'est la cata. Fallait pas taper chaîne, les gens. Genre, c'est votre pire choix. C'est le seul que vous ne pouvez pas taper. Voilà, je tenais à vous le dire. Pirate assassin, je l'aurais pas tiré 3 de toute façon. Pirate Gunslinger. Est-ce que j'aurai le Lucian tiré 3? De toute façon, je vais de moins en moins les drop les niveaux. En fait, je vais plutôt augmenter de niveau. Essayer de poser lui, drop mes niveaux 3, genre GP et ça. Les autres, je vais me contenter de les avoir à niveau 2 et puis on va essayer de jouer comme ça. Mais je viens déjà de tomber sur lui.
Je trouve pas ça très cool de la part du jeu de me mettre face à un mec qui m'éclate et de me remettre face à lui juste après, enfin... Genre, ah, tu viens de perdre face à lui, tiens, repère face à lui. Bah ouais, mais... Je sais pas, laissez-moi au moins une chance de pas perdre de HP bêtement. Bon. Bon, bon, bon. Bah on fera avec, hein. On fera avec. Est-ce que je log pas pour virer le pirate bientôt? Parce que pirate, lui, je peux le tège après. Il faudrait que j'ai deux gardiens, j'ai pas pris de brome au début. Pareil, Phantom Ranger, j'en ferai pas grand chose. Donc c'est pas ces persos-là qu'il me faudra. Elle, j'ai dit que je m'en foutais que je l'aurais pas. Le Lucien, pareil. Du coup, on peut faire ça. Ça, ça, ça. Je vais récupérer la place un perso avant. GP, il m'intéresse. La chance au drop n'est pas avec moi. Hein. Mais on fera avec des gluglucs. J'ai besoin d'un greffe pour le gunslinger, c'est vrai. C'est complètement vrai. Oh, BF glaive sur lui, ça me plaît. Lame d'inf. Ouais. Unlucky. Ta-dam, ta-dam. Dead men tell my tale. Heureusement, Noble Knight. C'est jamais mauvais en standalone ce perso. Je suis con, fallait que je le garde pour buff impérial. Bah non, je le garde pas, je m'en fous en fait. Sur qui je mets ça? Tristana me fait le gunslinger quand même. Ne soyons pas bêtes. Ah lui, il a eu des tirs 3, je suis quelque peu déçu. Je suis quelque peu déçu. Hop. Ah mais je suis con, depuis tard je vois des Fiora, j'oublie les locks. Ah, j'aimerais bien avoir une Fiora tier 3. Ah zut! Quel Shogun Seraphin? Ouais, après faut que je le vire à lui en fait. Dans ce cas. Tu me diras, je peux mettre une Kayle double. Je peux remplacer lui par Kayle, hein, ce serait pas. Ouais, mais il fait un gros taf quand même. Il est dur à retirer. Il est dur à retirer pour l'instant. Mon ami. J'avais lock. J'avais bêtement lock. Zut, zut, zut. Salut Mbushi, t'as bien toi? Oh, exilé Bloodmaster. Faut que j'augmente de niveau là. On va devoir placer un Bloodmaster supplémentaire nommé Draven. Vu qu'il va être niveau 2. Je raconte quoi? Je raconte que les games sont pas faciles dans TFT aujourd'hui. Il y a des jours où tu sens que tu drops plein de trucs, où t'as plein de tier 3 rapidement.
Là, c'est pas exactement le cas, mais on essaie de faire autrement. Pas sûr que ce soit très intéressant, les Shojin. Ok, j'ai eu 12 milliards de trucs. Faut que je place ma Kayle. Faut absolument que je place ma Kayle. Tant pis pour le buff pirate. Buff pirate, ah, y a GP qui me donne le Bloodmaster. J'ai pas envie de perdre le pistolero. Quoique le pistolero, en fait, il m'intéresse peut-être moins que le Bloodmaster. Hein. Gunslinger à fond. Hop, toi tu vas là. Tu vas récupérer ça. Et ça. Et ça. Déjà. Oh, mais please, quoi. Je savais même pas qu'il y avait un mec qui avait un blitz. C'est-à-dire que depuis tout à l'heure, j'ai affronté plein de gens. Et pas le mec au blitz. C'est quelque peu gênant quand même. C'est quelque peu gênant. Je dois roll-in. Bon, alors toi déjà tu vas là. Toi, Gunslinger, en fait, elle, j'ai même pas besoin d'elle. Parce que j'ai déjà le Gunslinger même sans elle. Virer. Je sais pas, toi fais des trucs avec ça, au point où on en est. On va pas faire grand chose. C'est pour qu'il soit protégé du grab au cas où. Alors. Oh là là, ça va faire mal ça. Heureusement qu'il est que niveau 1 lui. J'ai un Draven mais qui a pas du tout de stuff. C'est un peu relou. Kayle qui a fait un gros boulot ici. Ouais, noble master. Vas-y Fiora. T'es trop forte, t'es la meilleure. Attendez, pourquoi il y a une fio? Non, parce qu'au point où on en est, on va voir ça quoi, mais. J'avais un slot de plus que j'ai pas utilisé, très bien. J'aurais dû mettre. Mais j'avais pas fait gaffe que j'avais un slot. Du coup, effectivement, oui. Faut que j'inverse mon Draven et mon Aatrox. Qu'est-ce que je peux avoir en Blade Master qui peut être sympa là. J'ai limite autant que je tape sur le Blade Master. Oh, Yasuo. Salut. Oh, Kayle. Vous imaginez si j'arrive à drop une autre Kayle après? Hop. On va essayer de faire ça. Digiligling. Vous voulez dire que j'aurais dû prendre le Yasuo, c'est ça? Mais à quel point je suis maudit? Genre... Ah! C'est débile as fuck, ce truc. C'est tellement horrible. Prenez Yasuo, j'avais un Yasuo tier 2 quoi. Ninja Bloodmaster. Est-ce que j'ai vraiment envie de remplacer le Pyke? C'est un peu le problème quoi, c'est que. Je sais pas vraiment si je veux remplacer mon Pyke.
Bon, elle, j'ai trop peu de chance d'en drop d'autres, de toute façon. Parce que si je remplace le pas et que j'ai un Blade Master à fond. Est-ce qu'il fait vraiment le taf, Pyke? C'est vraiment la question que je me pose. Hein. C'est est-ce que Pyke fait vraiment le taf? Est-ce que je fais le test? Remplace Azio. Bah non, il met un Blade Master aussi. J'ai l'impression de pas avoir de dégâts. Enfin, c'est pas une impression en fait. C'est que j'ai pas de dégâts. J'ai pas de dégâts. Je meurs. Je meurs. C'est la fin. C'est la fin, mesdames, messieurs. C'est la fin sur un petit top 4. C'est pas une journée de ouf, mais on fera avec.